Et salut à toutes et à tous, c'est Hunter Zilla. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, bon, un petit peu détente et en même temps, j'ai envie de vous parler un peu, c'est des espèces de vlogs, hein. Une petite vidéo où je vous parle un peu de tout et de rien en même temps. Alors je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire un gameplay correct, surtout que je suis une pure merde, mais encore pire depuis que j'essaie de commenter en live sur Black Ops 2, et je tombe dans le meilleur moment du jeu, le moment où on est tombé sur l'escouade. Le mec avait tout simplement un lance-roquettes en or. Je me suis dit, comment on fait pour avoir le lance-roquettes en or? Et ben c'est très simple, on ne joue qu'avec le lance-roquettes. Hein. Pour tout vous dire, j'ai pas encore d'armes en or. D'ailleurs, j'ai à peine monté, j'ai monté que 3 armes d'un rang. Et ça m'a pris déjà un prestige entier. Alors, les mecs qui ont je ne sais combien de prestige et qui ont toutes les armes en diamant, j'ai un pote à moi qui a quasiment toutes les armes en diamant, je lui tire mon chapeau parce que moi je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout monter les armes comme ça, j'aime pas le mode de défi de ce jeu. Enfin, voilà. Donc voilà, et j'en ai marre de cette map de merde dans le bateau. Bon, je vous fais cette petite vidéo déjà pour m'excuser de prendre autant de temps pour faire des vidéos, mais ces derniers temps, j'ai la foire au contrôle. Vous savez? Oh oui! Oh oh oh! J'ai envie de dire. Chouette. Bon, voilà, c'est la foire au contrôle, c'est la fête au village, j'en ai marre de cette arme. Bizarrement, quand je joue avec, j'arrive à rien. Donc j'arrive à rien. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle tire vite? Bon ben voilà, vous avez tout compris quoi, lance-roquette, machin, ouf gueudin, qui a fait caca dans la piscine, enfin voilà quoi. Et en gros, là, je me dis, tiens, Hunter, oui parce que je me parle souvent à la troisième personne, hein, parce que je suis comme, je suis un peu le Belmondo du futur. Je rigole, j'adore dire ça. Oh, je suis mort. Et donc, vu que je suis un passionné de Wokfu, alors pour tout vous dire, je regarde énormément de vidéos. Je suis le genre de mec à regarder des. Je suis le genre de mec à regarder genre 4 vidéos d'affilée avant de dormir. Pourquoi tu étais derrière moi, espèce d'enculé? Donc, c'est pas grave. Donc, je regarde beaucoup de vidéos et je me dis, pourquoi ne pas recommencer ce que je faisais avant? Pourquoi ne. Putain, il m'a fait peur! Pourquoi ne pas recommencer ce que je faisais avant, c'est-à-dire faire des wokfu? Enfin, faire des wokfu. Menace neutralisée. Putain, mais ça campe là! Oh putain! Ça va aller. Ouais, je peux rien faire. Contre les mitrailleuses lourdes comme ça, je peux vraiment rien faire. Je suis quand même revenu un peu au score quand même, hein. Même si ça reste. Oh, c'est Lopette contre Lopette. Je fais du 4-6, hein, bon. Et donc voilà, je vais sûrement reprendre des Wokfu. Donc c'est une chaîne que je vais faire avec Wokfu plus astuces, hein, j'ai envie de dire. Parce que bon, il y a des gars qui ne font que des astuces, il y a des mecs qui ne font que des Wokfu, il y a des mecs qui font entre les deux. Arrête de camper, toi, espèce de tentouze. Merde. Je vais mourir là. Là, c'est sûr. Hop. Je sors le pistolet, l'arme de la seconde chance. Oh putain! Et je reviens petit à petit. Et donc, vu que je vais faire des wokfu, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un jeu? Est-ce qu'il y a un jeu qui vous intéresse? Parce que bon, je me dis, je fais un peu ma tafiole aussi là. Est-ce qu'il y a un jeu qui vous intéresse? Parce que il y a peut-être des jeux que vous voulez à tout prix voir. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un truc que je connais. C'est très difficile pour moi, parce que je me spoil en vidéo, et comment ça s'appelle? Mes réactions sont juste épiques. Je crois que c'est un mec qui est balle. Ah non, c'est un mec qui est haut level qui se met à camper en haut comme une grosse tafiole. Et donc, voilà, moi je me dis, pourquoi ne pas tenter l'expérience Wukfu. Donc faut dire que j'ai quand même une bonne expérience, on va dire générale au niveau vidéo. Hein, quand je dis oh merde, bon, autant multi dès que je suis en live, c'est foutu.
Aïe. Ah oui, d'accord, en fait, c'est le campeur contre le campeur. Donc voilà, en gros, j'ai une bonne expérience, je commande bien, j'ai une voix pas trop dégueulasse, j'ai envie de dire tout de suite, hein, j'ai pas une voix, j'ai un peu une voix sensuelle, hein. On me le dit souvent. Non mais c'est vrai, en plus, on me dit souvent que j'ai une voix sensuelle. Non mais bon. Et donc vu que j'ai quand même une certaine expérience et que ben je me démerde au niveau d'encodage aussi, hein, parce qu'il faut dire que j'ai pas du boîtier, j'ai pas un boîtier de compète comme ont certains, même si ça ne saurait trop tarder. Mais en fait j'hésite réellement parce que je me dis que si. Oh je t'ai défoncé, oh merde, je vais mourir. Non, ça va. Ça va encore. Pourquoi je l'ai pas tué? On a perdu le contrôle. Comment ça se fait que je l'ai pas Voilà tué le plus de mec? temps. Reprenez-vous. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop pur. Trop pur, trop pur, trop pur. Comme le Starship. Ah oui, ah ya. Yeah. J'avais pas vu. Et je fais du 12-12, c'est génial. Donc je vais sûrement reprendre les walkthroughs et j'ai pas Aviateur. fait un seul hitmarker. Menace éliminée. Ah, en fait, c'est arme de merde contre arme de merde. Un drone ennemi en approche, putain, y a des sanguinaires dans les skis qui portent. Comment il m'a vu? Je veux voir. Oh, je fais le kill de la fin. Je ne vous félicite pas. Échec Putain, je fais de total. 12-14 quoi. 12 pour 10. Oh la vache. Donc voilà, je vais reprendre les walkthroughs, je vais reprendre les vidéos astuces aussi parce que ça m'intéresse énormément. Donc j'ai déjà quelques petits projets de walkthroughs, sachant qu'en fait j'ai toutes les consoles à part la Wii U. Eh oh, voilà, j'allais dire vu que j'ai quand même la chance. J'ai quand même la chance déjà d'avoir eu un boîtier, d'avoir de l'expérience, des trucs comme ça, même si ça n'a pas porté les fruits comme je. Comme je l'espérais, parce que j'ai eu des moments où j'étais un petit peu. J'ai eu la loose, enfin voilà, j'ai tout eu, hein, c'est un petit peu 36-15 ma life. Mais bon, et donc je vais reprendre les walkthroughs, enfin je vais pas reprendre, je vais commencer les walkthroughs. Donc je ne sais pas par quel jeu je vais commencer. Je suis pas le genre de mec à dire, ah je fais le dernier jeu qui vient de sortir, c'est trop génial. Même si j'adore acheter les jeux qui arrivent. Hein. Salut. Suivant, ah putain c'est pas possible, ils veulent pas tous fermer leur gueule. Des fois il y a des mecs, ils sont tout seuls sur le multi, le mec est tout seul. Il arrive, il n'y a personne qui a son micro, et il fout son micro. Et il chante, et il parle. Ah ouais, oh, espèce de gros bâtard. Enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc voilà, donc je suis pas le genre de mec à faire des jeux. Ouais, c'est le dernier jeu, je vais faire des vues, c'est trop génial. Non, moi je fais des vidéos parce que ça m'amuse, ça m'intéresse beaucoup. Et des fois, je fais des petites vidéos tranquillou. Ben voilà, j'ai souvent beaucoup de retard par rapport aux autres, des fois à cause de droits. Faut dire qu'il y a des vidéos qui, pour ceux qui ne savent pas, j'étais sur Dailymotion avant, et la plupart de mes vidéos, parce que j'avais de la chance d'avoir des jeux en preview. Alors quand je vous dis des jeux en preview, c'est, j'avais de la preview, Ouais, ça j'avais des marche. fois j'avais des jeux presque un mois à Mais l'avance, arrivons. comme Deus C'est Ex. Deus parti. Ex, je l'ai eu sur PC. Ils m'ont sorti une boîte de jeux, quasiment, On a je sais pris pas moi, l'avantage. 3 mois avant. Enfin 3 mois le mec non pas 3 mois 3 semaines avant je raconte de la merde des fois c'est magnifique. Ouh je raconte de la merde dans 3 semaines avant sa sortie. Je me dis putain ça fait 3 semaines que vous l'avez déjà. Il m'a fait ouais, t'inquiète dans une semaine je te la sors. J'ai eu la chance d'avoir le jeu avant sa sortie. Et ben je vous promets j'ai fait 6 vidéos. Sur les 6 vidéos 0 ont été acceptées parce que ben zéro est accepté parce que j'étais trop en avance. T'as qu'à pas prendre un. Plus de munitions. Drone en approche. Ouais, je peux rien faire contre les mecs qui arrivent. Je suis dans leur spawn en plus, je suis un connard. Je supporte pas le base rep, donc ça va, c'est vite réglé avec moi. Ouh, En headshot à charge. travers la paroi, j'adore. Ouais, je peux rien faire. Ah, je peux rien faire, hein. Dès qu'ils se foutent en head glitch, comme disent certains. Non, 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 je peux rien faire.
Je recharge toujours comme un connard. J'ai pris les... Oh! Oh! Oh oh! On va monter un peu. Et donc, voilà, je vais reprendre des Wokfu. Je vais... Ça campe là ou pas? C'est un pote. C'était un pote à moi qui campait. Ils sont trop guis, ils sont trop mignons, les campeurs. Lui, il va arriver par là, par contre. Je me suis fait baiser comme un bleu. Ah bah non, je me suis pas fait baiser comme un bleu parce que c'est un campeur de merde qui est venu vous faire un petit coup de base rape. Drone ennemi en approche. Comment ils font pour avoir des drones? Oh, campeur de merde. Ouais, bon, les niveaux 22, je peux rien dire. Mais bon, y a pas de... Y a rien à dire. Où est-ce qu'il est? Donc voilà, bon, en même temps, je vais essayer de faire un petit peu de gameplay quand même. Même si je suis en train de me refaire la télé-gueule comme tout à l'heure. C'est génial, parce que dès que je filme pas... Je filme pas, je fais une très bonne partie. Je fais une zer good partie, comme diraient les Allemands. Oh, double. Oh, le couteau qui passe, je veux voir. Ok, on va rien dire. T'as un mec qui fait du 8-1 et il campe bien. Hein. Oh oui, c'est un gros campeur, j'aime bien. Moi, j'aime bien camper, moi. Oh la vache, lance-roquette. Oh, j'ai plus de balles! J'avais plus de balles. Je suis désolé si je vous ai fait péter le tympan. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, je veux faire des Wokfu. Je veux faire des Wokfu. Je veux. J'en ai vraiment, mais vraiment envie. J'en ai vraiment l'envie. Ah, je peux rien faire, vous voyez, c'est des mitrailleuses lourdes. J'ai pas encore débloqué de mitrailleuses lourdes. On est mort. Oh, full team. Ah non, c'est pas un full team. Oh la vache. Oh la vache. Attention, RCXD. Putain, le mec, il a du mal à dire le X. Enfin, le moins, c'est un truc qui... Mais arrêtez de jouer avec vos lance-roquettes. Arrêtez de jouer aux lance-roquettes, s'il vous plaît, je vous en prie. Ouh la vache. Ouh la vache. On va passer par là, ok? Oh, j'ai eu trop peur. Comment j'ai eu trop peur? Starship. Oh 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 oh. Mais bon, donc oui, en plus, si vous ne le savez pas, j'ai vraiment un humour typique néerlandais, j'ai envie de vous dire. En fait, non, je déconne, hein, je ne sais pas c'est quoi l'humour néerlandais. Mais j'aimerais bien le savoir, pardon. Arrêtez de vous planquer, espèce de petite tentouse. C'était bon, hein. J'adore faire des petits bruitages. C'était magnifique. J'ai quand même fait un sanguinaire. Oh oh oh. Oh merde. Oh merde. C'est au-dessus de moi. Qu'est-ce que ça fout au-dessus de moi? C'était pas au-dessus de moi. C'était pas du tout au-dessus de moi, en fait. J'adore cette arme. Cette arme est vraiment mythique. Elle est là depuis quasiment le premier... boum boum boum. Je crois que j'ai tué tout le monde. Oui, je crois que j'ai tué tout le monde. Oui, 3. 3, 3 kills. Oh, c'est beau. 24-11. Je me sens un peu mieux là. Oh, waouh. Je veux voir. Hadoken. Oh, le Hadoken, il est trop drôle, quoi. Je débloquerai peut-être un jour. Je dis bien un jour. Je ne dis pas je vais le débloquer tout de suite, mais un jour peut-être. Un jour mon prince viendra. Un jour il me violera et me fera les enfants par le nez. Enfin voilà quoi, la totale. Mais bon, donc voilà, je vais reprendre. Je vais recommencer mes petits Wokfu. Je vais refaire des vidéos astuces. Il y a des je suis pas très fan du. Enfin, moi j'aime bien regarder. Par contre, ouh, elle doit être magnifique celle-là. Je suis pas fan de mes ressentis par rapport aux découvertes de jeux. J'aime bien faire sur quelque chose que je connais. Ok, c'était beau. Eh ben j'aurais rattrapé ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. J'ai fait un coup de la merde, un coup du bon truc, quoi. Et d'ailleurs, on a eu 3 rage kits.
Mais bon, voilà, c'était une petite vidéo, ben, comme ça, quoi, j'ai envie de vous dire, à l'ancienne. Je compte aussi faire du gameplay multi sur, ben, sur BF3, hein. Donc comme toujours. Je vais essayer de faire une petite vidéo là avec une escouade, un truc comme ça, je vais bien voir. Je vais peut-être vous en faire une tout de suite d'ailleurs. Mais j'espère faire un truc pas trop long. Alors oui, un petit truc que je n'ai pas dit. Je pense faire des vidéos pas longues. Donc quand je dis pas long, c'est 20 minutes grand maximum. Et pourquoi je fais des vidéos de 20 minutes? Parce que ben, c'est plus facile à regarder. Je m'en rends compte, hein, parce que moi je sais que bon, je regarde des vidéos avant de me coucher. Genre il est 1h du matin, je me mets une vidéo. Et là, j'aime bien les vidéos de 2 heures. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Et je me rends compte que si c'est mis en playlist, eh ben, la vidéo de 20 minutes, vous en regardez 3. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi parce que ça me prend beaucoup moins de temps à uploader. Et enfin, je peux espacer. Et donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Donc merci de m'avoir regardé, je vous fais des bisous, je vous fais des bébés. Adoptez des chats, adoptez les dauphins, allez voir les tortues dans les eaux. Et à la prochaine, salut!